Bon, il faut que tu parles à Monsieur Gauthier. Pour qu'il me déteste encore plus. Non, c'est la pire des idées. Et puis, j'ai pas envie que Polo il se fasse virer non plus. Alors, on fait quoi? On fait rien? Bah, je sais pas. Non. Je vais te dire ce qu'il faut faire, moi. Il faut riposter. Il faut leur montrer que c'est pas normal de s'attaquer aux gens. Et je suis sûr que nous aussi, on peut être bons là-dedans. Mais c'est toi qui dramatises tout, au final. Enfin, si je prends avec le sourire, bah, ça va. Tu me fais confiance, on va faire ce que je te dis et ça va aller. Tu sais, c'est juste sur le moment, après, j'oublie. Hein. Allez, Viquette. Mika ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est toi, qu'est-ce que tu fous là, là ? Je te manque trop ou quoi ? T'es pas parti en fait ? T'as pas trouvé de plan ? Si, j'ai trouvé un. C'est quoi ça ? Ça, c'est du miel. Je fais le tour des épiceries à Vitré, je compare les prix. Ouais. Ça a l'air pas mal. Ça va, je te dérange pas ? Le goût. Bon. Tu dors où, toi, sinon? Un peu à Vitré. Vite fait à Rennes. Là, j'étais chez un pote à Marseille. Et la mer à 25 degrés, c'est un truc de ouf. Hein. Plus, mon pote, il a une vue sur la mer depuis son balcon, c'est magnifique. T'es à 10 minutes des Calanques. En cool. Le rêve. Tu sais que ça fait 6 ans qu'on se connaît. Ouais. Bah, arrête d'essayer de me mentir, ça marche pas. T'as rien. Si, j'ai un truc, mais c'est juste que c'est pas vraiment... Ouais, bon, t'as rien. Viens avec moi. Allez. On va et où? Mange pas de foin. Non, mais c'est bon, ton truc, là. Va te faire cuire un œuf. Non. Et ta sœur... Attends, c'est quoi déjà? Ta sœur est Balber? Ok, je crois que t'as pas compris les règles du jeu. Je suis Jordan, ok? Si je me relève après tes punchlines, je te défonce. T'as compris? C'est quoi, on a vu ta tête qu'on a inventée à Cagoule? En vrai... je crois que je sais pas faire. Je crois que j'ai... pas envie de frapper pour tuer. Même Jordan? Même. J'aime pas l'idée de blesser les gens, en fait. Mais tu sais ce que t'as envie de leur dire aux gens, au moins? Bah... Oui, du coup, c'est ça le problème. Faut qu'on sache ce que t'as envie de leur dire. Ok? Monsieur Alaoui? Ah, Elsa. Alors? On verra. Merci pour ton aide, en tout cas. Ça bah, attendez, il vous embauche ou pas? Bah, je sais pas. Vous vous êtes dit quoi? Écoute, on n'a pas beaucoup parlé. Enfin, moi, si, mais ton père, il a pas dit grand-chose, mais... Mais c'est pas grave. Moi, ce qui me touche, c'est que t'as pensé à moi. Et voilà, tu vois bien les gens, les rumeurs et tout, ça leur fait... Je reviens. Il est où, le problème avec Amir? Doucement. Il n'y a pas de problème. Bah alors tu l'engages. Je sais pas, on verra. Mais il y a quoi à voir? Il est qualifié, non? Bah oui, j'ai l'impression. Il comprend ce que t'attends de lui? Bah, je crois, ouais. Et bah alors? Bah alors j'ai besoin de réfléchir. Tu vois, faut pouvoir tenir. Faut être fiable. Et s'il y a quelqu'un qui doit venir tous les jours, bah c'est un changement, quoi, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aimes pas? Mais si!
Bah, il est professionnel, il a l'amour du métier, oui. Il a travaillé avec des blondes d'Oulmazer, des brunes de l'Atlas quand il était au Maroc. Bah prends-le, putain. Prends-le. Et voilà. Pas mal. Bon, pour les jacuzzi, il va falloir attendre un peu. Écoute, on fera 100 pour l'instant. Et pour les toilettes, bah... tu peux faire un trou dans la forêt. Sérieux? Genre, tu chies à la belle étoile, toi? Non, pas moi, mais pas... désolé. Non, en vrai, c'est cool, merci. Et là, t'as quoi? Ah ouais. Salut. Salut, Mika. Soral. C'est une soirée, je suis pas invité? Non, t'inquiète, c'est juste mon pote Mika qui va rester dormir ici un peu. Ouais. Genre 2-3 jours. Hein. C'est juste le temps que je me refasse et après je repars. Non. Pardon? Non, il peut pas rester là, non. Et depuis quand c'est toi qui décides? Mais c'est pas un camping en fait ici, c'est mort. C'est pas ce quoi là? Laisse. C'est mort, je t'ai dit. Tu prends plus de. Non, mais là, c'est en vrai, c'est bon sens, je connais un meilleur hôtel. Laisse. Ouais, merci, ouais. Tu vas faire quoi? Je comprends pas. Il est au foyer. Et quand on tire du foyer, tu peux crever, ils en ont rien à foutre. Il est à la rue. Non, je suis pas à la rue. Il a besoin d'aide. Et quand ce sera moi? Hein? Tu vas faire pareil? Quoi? Bah ouais. Bon, après, c'est la même chose. Je suis dehors. Je savais pas. Bah ouais, tu savais pas. Parce que tu connaîtras jamais ça, toi. Dégage. Dégage.